Et re les amis, c'est Even. Allez, on se retrouve pour une nouvelle partie de AC4. Je sais pas si vous vous souvenez, j'étais en train de me diriger sur Black Island, sauf que malheureusement, en fait, sachant que je suis au début du jeu, je ne peux pas y accéder. Donc on va dire que j'ai fait un petit peu le tour de la carte hein, pour essayer d'accéder à Mystery Island, Black Island, et puis j'ai d'autres îles un petit peu pour le pack collector, pour récupérer la fameuse tenue que je vais vous montrer. Sauf qu'en chemin, bah, je me suis aperçu que je pouvais vous montrer certaines choses. Regardez par exemple, là je suis sur une île, je suis allé récupérer tous les coffres de l'île hein, tout simplement, et donc j'ai laissé mon jackdaw dans la baie, et vous voyez que là il y a un navire en feu. Donc vous me dites ça sert à rien, le navire il est en feu, toute façon c'est pas toi tu l'as tué, tu pourras pas récupérer le loot. Et bah faux, hop, vous sortez de votre jackdaw hein, vous plongez dans l'eau, vous vous dirigez directement vers l'autre bateau, vous montez dessus, de là un timer, attendez, déjà il faudrait peut-être pas que je bug, voilà, un timer va se lancer et hop, normalement, vous avez un certain temps pour récupérer tout ce qu'il y a, tout ce que vous pouvez récupérer, tout simplement. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il veut me faire mentir parce qu'il n'y a pas de timer. Ouais, il veut me faire mentir le jeu. Bon, bah, c'est pas grave, au moins là, il n'y a pas de timer. Tant mieux, je vous montrerai peut-être un peu plus. Regardez, vous voyez, je viens de récupérer du bois x20, les matières premières. Hein. Tout à l'heure, il m'est arrivé de récupérer du métal. Sachant qu'on est au début du jeu, c'est vraiment pas négligeable. Vu que plus tard, vous aurez besoin de tous ces composants-là pour l'amélioration de votre jackdaw. Donc on va dire que c'est voilà, regardez, du métal. On va dire que c'est une des petites astuces hein. Je sais que c'est pas énorme, vous récupérez pas non plus beaucoup de loot, mais quand vous êtes au début, bah vous n'y pensez pas forcément et vous amusez à y mettre un coup de canon alors que vous êtes cette possibilité là quoi. Hop, alors attends, parce que là j'arrive pas à récupérer. Ah, il faut que j'aille de l'autre côté. Bon, très bien. Alors vite. Hop. Donc normalement hein, vous avez à peu près 60 secondes, hein. Chaque là on est sur un schooner donc c'est peut-être différent. Sur les briques j'ai eu 60 secondes tout à l'heure pour récupérer tous les métaux. J'ai eu 3 fois 20 métaux quand même. Ah bah regardez, vous voyez, le timer vient de se lancer à l'instant. J'ai 40 secondes là, pour récupérer tout ce qu'il y a à bord. Je sais pas si j'aurai bien le temps. Quoique. Allez. Allez, non, pas deux fois dessus. Ce sera gentil, merci. Hop. Ah, j'ai pas vu combien j'avais eu là. 22 secondes, allez, faut que je me bouge là. Il faut que je me bouge. 17 secondes, allez, 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 allez. Je sais pas pourquoi, je vais me dire, ce que je vais rater, il y aura forcément un truc intéressant dedans. Je sais pas si je meurs par contre dessus, hein. On va peut-être pas tenter. Hop, 5 secondes. Et regardez là au bout de la fin du timer, tout ce qui se passe en fait. Boum! Explosion du bateau. Aussi bête que ça. Alors, il y en a certains qui diront que c'est pas vraiment utile, mais comme je vous ai dit, hein, je suis au début du jeu, on vient juste de commencer notre aventure ensemble. J'ai pas de matière première encore. Alors, tomber sur un quai d'eau comme ça serait vraiment bête de passer à côté, quoi. Bon. Alors, pas de chance, on commencera pas l'aventure dès le début avec ma fameuse tenue. De l'édition collector, tant pis, je vous la montrerai plus tard lorsque on aura fini toutes ces petites missions un petit peu pas coopération, pardon, toutes ces petites missions un petit peu tutoriel. Je vais directement me rendre à la zone de mission. J'espère que je peux me faire une navigation rapide, on va dire ça comme ça. Tac, tac, tac. Là, voilà. Ah bah non, je peux pas. Je ne pourrais pas faire un déplacement rapide vu que je me suis pas synchronisé avec des îles aux alentours. Y a pas plus près. Y a plus près. Si si. Y a plus près. On va se mettre ici. Hop. On va coquer ici. Ça évitera de zigzaguer dans toutes les îles. Ah bah attendez, j'y suis. Ouais, bah si j'y suis, c'est bon. Y a pas à s'inquiéter. Comme ça au moins si je rencontre des petits schooners ou des briques qui ont un peu de bois et un peu de tissu ou un peu de métal. Bon, à ce niveau du jeu, vous verrez pas beaucoup de bateaux qui ont des métaux. Si vous en croisez, rushez-le. Franchement, rushez-le. Allez-y comme un gros fou. Parce que vous en aurez vraiment, vraiment, vraiment besoin. C'est vraiment la matière première pour développer votre jackdaw. Hein. Sinon, au début, vous allez croiser des petits schooners, comme une petite canonnière, pardon, comme celui-là. Bon, c'est bien pratique hein, pour récupérer des barils explosifs. Pendant que j'y suis, une petite astuce sur votre jackdaw, lorsque vous voulez savoir s'il vous reste des mortiers, s'il vous reste des canons sur les côtés, ce genre de choses, tout simplement vous visez. Vous visez et vous voyez en dessous bah, le nombre de munitions que vous possédez. Hein.
Alors oui, entre-temps, comme vous pouvez voir, mon argent a bien augmenté. J'ai 17 000, j'avais 6 000, je crois, lorsqu'on s'est arrêté. Ou un truc dans le genre, je ne me rappelle plus exactement. C'est tout simplement que bah, j'ai repris j'allais dire le DLC, non pas le DLC, j'ai repris l'enregistrement tout simplement après une petite pause. Et puis je me suis mis à explorer quelques îles pour faire un petit peu de craft, notamment comme vous pouvez voir normalement ma vie, là vous pouvez pas voir parce que vous avez les vies du Jackdaw, mais plus tard vous les percevrez sur moi. J'ai chassé tout simplement pour avoir un petit peu de craft, des nouvelles armures, des nouvelles armes. D'ailleurs j'ai un nouvel étui. Bien que je n'ai pas acheté encore le pistolet, j'ai le nouvel étui, c'est déjà ça. On va pas aller sur le sur le, sur le, sur l'île, ça servira à rien. Il y a que des canyonnières pour l'instant, ça vaut vraiment pas le coup. Hop, allure de croisière, comme ça ira un peu plus vite. Allez, chantez. Je suis encore loin ou pas? Non. Observez ce lieu. Je vais pas le récupérer, j'irai le récupérer plus tard. Vivement que j'ai mon Jackdaw qui ressemble un petit peu au Black Pearl, avec la tenue appropriée. Vous verrez la tenue de l'édition collector. Je sais pas si s'il y en a qui ont vu un petit peu cette fameuse tenue, mais franchement elle est vraiment géniale. Bon, ça fait pas du tout assassin, mais bon, comme j'ai dit, je ne suis pas un assassin pour l'instant. Je suis un pirate. Peut-être ralentir là, au milieu des rochers. C'est ici au moins, parce que là j'ai l'impression que je rentre dans une baie, mais. Ah si si, c'est là, parfait. Allez, impeccable, un assaut. Nous voici un assaut. Les ennemis ont des soupçons lorsqu'ils voient un cadavre. Exactement ce que je vous disais pour la première vidéo. Vas-y, sale chien de terre! Dis-moi que tu m'arrêtes! Dis-le! Notre très cher Barbe Noire. Retourne chez ton maître! Aïe, on a été corsaires ensemble jusqu'à la fin de la guerre. Je te retrouve à terre. Bon, nous voici à Nassau qui est à proprement parler la capitale entre guillemets des pirates. Je dis bien entre guillemets parce qu'elle est toujours sous l'influence hein, de notre très cher roi. Je sais plus si c'est. Ouais, bon, voilà, regardez. Voilà, c'était une île régie par l'Angleterre. Mais bon, il y a des pirates à tous les coins de rue, quoi. Nique la logique. Bon, on va se lancer directement dans l'histoire principale. Hein. C'est parti. La fameuse taverne. Il me semble que je vous avais parlé des tavernes. Hein. Si vous voulez recruter un équipage, on va dire correct, vous avez plusieurs choix. Donc les tavernes, récupérer bon bah des naufragés en mer et si je ne dis pas de bêtises. Et oui exactement. Vous pouvez aussi en récupérer lors des abordages. Allez c'est parti. Bon regardez justement ce que je vous parlais. Je pense que c'est une mission de recrutement. Quelle joie de revoir cette Primus. Approche et trinque avec nous. Bonjour les gars. Salut Kenway. C'est qui lui? Adewale. C'est le second du Jackdaw. Jackdaw? T'as baptisé ton beau brick d'après un tas de plumes miteux. Ade, ces messieurs sont les piliers de notre nouvelle confédération. Ed Satch, Ben Arnigold, James Kidd. Et tu le laisses porter un pistolet? Tu calmes, Ben. Ade m'a sauvé la vie. Et il va m'aider à recruter des hommes pour mon équipage. Bah, les bras, c'est pas ce qui manque par ici. Mais sois prudent. Un contingent de marins du roi a débarqué il y a 2 semaines. Et depuis, ils se pavanent comme si la ville leur appartenait. D'accord. Je vais voir qui je peux trouver.
Alors, à qui passe du Jackdaw? Bah, voyez, regardez. Je vais vous l'expliquer. On va pas besoin de lire, ça servira à rien. Voilà. Donc, on a juste à recruter des pirates. La barre que vous voyez en dessous de ma barre de vie, c'est tout simplement le nombre d'équipages que je possède. Donc, sur la mini-carte, lorsque vous ouvrez votre mini-carte, vous apercevez que vous avez ce genre d'icône. C'est tout simplement des missions, entre guillemets, pour pouvoir recruter un équipage. Vous verrez, ce genre de mission, c'est juste tuer 2-3 gardes et hop. Vous possédez 1 à 4 membres d'équipage d'un coup. Lors de moment, ça diffère. Normalement, vous aurez comme ici, là, je vais vous montrer. Vous passez ici. Et cette mission, c'est que vous devez tuer les Anglais avant de se faire détecter. Sinon, ils assassinent directement. Ils tuent directement vos futurs équipiers, on va dire ça comme ça. Et merde. Bon, hop, hop, voilà. Ni vu ni connu. Maintenant, recruter. Vous voyez, x4, j'ai de la chance. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à me barrer. On va continuer dans cette lancée. Hop. Là, pareil, je pense. Lorsque vous voyez un rond rouge, sur la carte, hein, faites-vous pas d'illusions. C'est que c'est forcément une petite mission, on va dire, de. Ah bah regardez. Voilà. Parfait. Allez, on continue. Ah. Non, non. Non, 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 non. Voilà. Suivant. Je crois que là c'est pour améliorer le Jackdaw. Je dis pas de, si je dis pas de bêtises. Oui, allez. Bon, d'accord, ça veut dire qu'il veut pas, tant pis. Il y a un coffre par là, je crois qu'il faut faire le tour. Voilà. 302 réales, oh parfait. Et 6 balles, oui, j'ai aussi augmenté la bourse des balles, hein. Comme vous pouvez voir, maintenant je peux tirer. 3 coups, ça veut dire que je l'ai le flingue. Ah bah oui, je l'ai le pistolet sur le torse. Je m'en étais même pas rendu compte. Hop 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 hop. Voilà. Capitaine Kenway, juste à temps, je retourne à bord. Il est jamais monté à bord, comment il peut dire qu'il retourne à bord? Idiot. On va récupérer des balles, tiens. On va souiller les cadavres. Souiller gentiment, hein. Allez, on va se diriger sur les autres membres. Hop, oh bah tiens, des coffres. Ah, j'ai une idée, on va rigoler. On va essayer de troll les gardes. Ça va pas être évident, mais on va essayer de troll. Hop. En espérant que j'arrive pas sur une mission silencieuse, parce que sinon je vais me faire niquer. Si je les fais tous exploser, ça va pas être marrant. Ah bah non, c'est bon, regarde. Mais je crois que je vais faire exploser aussi le monde d'équipage avec. Fait que la logique. Allez, hop. On va essayer. On va rigoler. Cadeau, l'ami. Boum! Ah bah j'ai fait péter tout le monde. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Même le membre d'équipage. Ah oh, je les avais pas vus. La partition s'est envolée, une partition de musique. Vous avez des chants en fait, donc ils seront représentés par une note de musique, hein, directement dans les villes, dans les zones d'exploration, un peu là où on recherche, on va dire, ce genre de choses. Donc, comment récupérer ces partitions de musique? Il faut juste leur sauter dessus. Sauf que elles s'envolent, donc il faut essayer de les récupérer en vol, quoi. Et pas de panique, hein, si vous n'arrivez pas à la récupérer, elle revient après. Alors le temps de repop, je saurais pas vous dire.